Après 24 jours de conflit entre le Hamas et Israël, le bilan du côté palestinien est désormais de près de 1400 morts et de plus de 8100 blessés. Côté israélien, 56 soldats ont péri depuis le début de l'offensive. Chaque jour, des images très dures nous parviennent de la bande de Gaza. Nous avons voulu avoir la réaction de l'ambassadeur d'Israël en Belgique, Laurence Brex. Le marché de Shijaya vient d'être bombardé par Israël. Les services de secours se précipitent pour aider les victimes. Mais à peine arrivés sur place, ce sont les ambulances qui deviennent des cibles. Plus de 1400 Palestiniens tués depuis le 8 juillet. Un bilan extrêmement lourd que l'ambassadeur d'Israël accepte d'évoquer avec nous. C'est difficile d'aborder cette question parce qu'il s'agit de vies humaines de part et d'autre. Des vies humaines, des images que nous avons aujourd'hui, que rapportent les télévisions du monde entier, qui sont très dures. En effet, la population palestinienne n'est pas l'ennemi. La population palestinienne est soumise à un régime d'une organisation terroriste qui, elle, considère la vie humaine comme nulle. Hier, le monde entier a découvert cette école des Nations Unies bombardée alors qu'elle servait d'abri à des civils. Une violation claire du droit international, selon les Nations Unies. Je voudrais dire qu'Israël semble défier délibérément les obligations du droit international qui s'imposent à elle. Il n'y a pas un objectif de nombre de morts. Au contraire, madame, l'objectif, c'est d'éviter le plus grand nombre de dommages collatéraux, de personnes civiles touchées, d'un côté ou de l'autre. Si nous laissons faire, eh bien c'est de notre côté que nous aurons des milliers de morts. L'armée israélienne dit ne cibler que les caches d'armes et les tunnels qui servent au Hamas. Et elle affirme prévenir les civils et leur demander de fuir avant de les bombarder. Les habitants de Gaza, ils peuvent aller où pour se réfugier? Ils peuvent aller ailleurs et attendre que les choses tournent à mieux. Et pour que ça tourne à mieux, ils doivent exiger de leurs dirigeants un comportement responsable envers eux-mêmes d'abord. Tant que des roquettes continueront à être lancées depuis Gaza sur Israël, l'opération militaire continuera sans être remise en question par les autorités israéliennes, malgré le nombre de victimes.